chers téléspectateurs de la VDC Panorama d'Afrique, je suis avec l'organisateur principal de cet événement. Nous allons lui poser quelques questions et il va nous dire qu'est-ce qu'il y a au juste et qu'est-ce que nous pouvons retenir de cet événement. Bonjour Monsieur Ambroise, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, mon nom c'est Gandhi Ambroise, je suis le chairman de Social Committee. Social Committee pour l'African Advisory Council et le Match Commissioner de ce tournoi. Ok, alors avant qu'on continue, vous parlez Advisory, African Advisory Committee, qu'est-ce que cela signifie? Well, c'est une organisation, African Advisory Council, c'est une organisation qui a été créée il y a 5 ans de cela et c'était juste pour atteindre les besoins des Africains dans le Bronx. Le Bronx a la grande concentration des Africains par mètre carré dans les États-Unis. Donc, ce qui fait qu'on a trouvé que c'était très nécessaire qu'on forme une organisation comme un grand parapluie qui pouvait desservir la communauté africaine dans la région. Et nous avons appris que la communauté africaine est constituée d'au moins 120 000 Africains dans le Bronx. Oui, c'est 120 000 Africains dans le Bronx seulement, oui. Oui. Alors, dites-nous exactement qu'est-ce qui s'est fait aujourd'hui. Nous avons vu au moins 3 matchs et nous savons que c'est un tournoi. Quand est-ce que ça a commencé et quel est le but? Ouais, ce tournoi, vraiment, il y a de cela 5 ans, ça a commencé. C'était quand on a formé l'African Advisory Council, nous avons essayé de trouver un autre élément qui peut venir maintenant ramener tous les Africains ensemble dans un côté de joie. Alors, vous savez bien qu'en Afrique, le football n'a pas de frontières. Que nous soyons des ennemis n'importe comment, mais quand il s'agit de football, on est des amis. C'est ça. Donc nous sommes dit que bon, le seul élément qui peut nous ramener ensemble, c'était le football. On a essayé de mettre maintenant, implémenter le football dans le African Advisory Council. Having done so, la première année, on avait 4 équipes. Okay. Où le Cameroun était le champion. C'est ça. La deuxième année, maintenant, on avait 8. Oh. Troisième année, on est monté à 12. Et après 12 ans, on allait sur 16 et aujourd'hui, on a 20 équipes. 20 équipes aujourd'hui. Oui, représentant 20 pays africains. Et on souhaite que d'ici quelques années, on ait au moins 52 équipes pour la Coupe du monde africaine aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est ça. Alors, parlons pour cette cinquième année. Comment vous vous êtes organisé et à quel niveau vous en êtes aujourd'hui? Well, ce qui se passe, c'est que quoi, since on est déjà à quelques années d'expérience et on ne peut que construire sur une fondation qui a été déjà faite. Okay. Donc, chaque année, on improve, on essaie un peu d'améliorer la situation. Donc, cette année, ayant commencé avec 16 équipes, l'année dernière, cette année, on a ajouté 4 équipes. Le seul obstacle qu'on a rencontré cette année, c'est une question de scheduling. Parce que vous voyez, de l'horaire. Ce qui se passe maintenant, les joueurs sont aussi des gens qui fonctionnent dans la ville. C'est ça, ils vont travailler, ils vont à l'école. Et maintenant, le problème, c'est de regrouper tous les joueurs ensemble pour délivrer les matchs. Oui. Et nous, le seul tournoi ne se joue que samedi et dimanche. D'accord. Dans les après-midi. De quelle heure à quelle heure? De quelle heure de 14h à 22h. C'est ça. Donc, ce qui fait que bon, le problème que nous avons maintenant, c'est essayer que les gars soient à mesure de prendre le time off au travail pour venir jouer au nom de leur équipe. Mm-hmm. Et en plus, maintenant, c'est. Et le temps, maintenant, au lieu de jouer 45 minutes, on est obligé de réduire le temps pour que. Aujourd'hui, on a 7 matchs. Non. De 14h à 22h. Et on doit tout faire pour que ces 4 matchs. Donc, c'est 7 minutes, matchs. 30 minutes fois 2. Okay. Donc, on n'a même pas une minute d'amusement. C'est ça. Pour ne pas créer. Alors, jusqu'à là, combien d'équipes ont déjà joué? Jusqu'ici, si je peux regarder mon papier là, on a vraiment. Déjà, on a déjà 3 équipes aujourd'hui qui ont joué. Non, depuis que le tournoi a commencé. Depuis le tournoi a commencé. Toutes les équipes ont déjà joué. Hein. Demain, c'est le dernier tour, la dernière journée pour le premier tour. Donc, le samedi prochain, c'est le quart de finale. Donc, okay. Aujourd'hui, on a. Donc, 4... c'est la fin de 8e de. Oui. Donc, à partir de demain, oui. Si une équipe n'est pas championne de sa poule, des 2 premières équipes de leur poule, et ils ne vont pas avancer le samedi prochain. Okay. Donc, il y a 4 groupes de 5 équipes. C'est ça. Oui. Donc, les 2 premiers vont avancer. Donc, aujourd'hui et demain, c'est... C'est la fin. C'est la fin. Okay. Donc, tu finis aujourd'hui, tu n'es pas bon. Okay. Tu attends l'année prochaine. Alors, là, 20 équipes sur 52 pays, c'est quand même extraordinaire. Oui. Quelle est la magie que vous avez faite pour que les gens viennent? Non, il n'y a pas vraiment de magie. Il n'y a que, again, il y a le Facebook, il y a le social media qui est en train de nous aider aussi. Mais seulement, c'est que même si on ne dépend pas de Facebook,
ce tournoi est en train de prendre une allure maintenant où on en parle. Et... Alors vous qui êtes amis de la VDC Panorama d'Afrique, qui couvre toute l'Afrique, suivez ce match et nous vous en dirons plus. Merci, c'est Don KMB depuis New York à Bronx. Comme le match est en train de se jouer, nous pouvons toujours parler. Quand vous faites un tournoi, fatalement, il faut dire que les gens doivent s'attendre à une coupe ou bien à quelque chose. Est-ce que c'est prévu ou bien c'est seulement un match pour agrémenter Non. Il y a le trophée. Et en fait, après le tournoi, il y a le trophée. En fait, on a quelques sponsors tels que Brox Airlines, Air Maroc. Qui, l'année passée, on a donné 6 billets d'avion aux meilleurs joueurs et aux gagnants et aux meilleurs joueurs du tournoi, meilleurs buteurs, meilleurs goalkeepers. Donc, ce qui fait qu'on a des petits prix qu'on donne quand même, qui ne sont pas très significants, mais pour un début, c'est quand même quelque chose. Donc, il y a un trophée, bien sûr. Il y a au moins 7 trophées qu'on donne aux meilleurs joueurs, meilleurs buteurs Parce que chacun est reconnu quand même. Oui, chacun est reconnu, oui. Et le jour de la reconnaissance de ces meilleurs joueurs-là, c'est un grand événement pour l'équipe, mais c'est toutes ces équipes-là. Toutes les 20 équipes sont les meilleures équipes. Mais ce que je veux te garantir, c'est qu'après demain, dimanche, les meilleurs des 20 vont avancer après ça. Donc moi, je ne peux appeler le meilleur. Vous avez quand même des résultats jusque-là. Oh, oui, on a des résultats jusque-là, mais seulement, again, tu vois, il y a des équipes, par exemple, telles que le Sénégal, le Cameroun, la Gambie, le Ghana, le Gambie. Ça, c'est des équipes qui ont toujours de la bonne place dans le tournoi. Mais la balle est ronde, hein. Oui, alors, vous avez vu tout à l'heure Kever a menacé Gambie, la Gambie. Alors donc, il faut savoir que la balle est ronde, ça peut changer. Hein. C'est ça. Donc. Tout à fait. Le capitaine lui-même qui joue, tu sens que c'est l'entraîneur de l'équipe qui rentre, qui se met en maillot. L'entraîneur du Sénégal, là. Il joue. Ouais, le 5, là. Oh. C'est l'entraîneur, lui, là. Le numéro 5. Ouais. Il est entraîneur et joueur en même temps. Ouais, ça veut dire que il n'a c'est pas sérieux. De jouer, mais c'est ça. La balle est sortie en faveur des Nigériens, remise en jeu des Guinéens, les Nigériens du Niger, s'il vous plaît, ce n'est pas les Nigériens du Nigeria, c'est du Niger. Ils s'affrontent avec le Sénégalais. Et comme les joueurs ont toujours été malhonnêtes, donc la touche se fait quelque part. Ils cherchent toujours à avancer plus loin que prévu. Alors l'arbitre a demandé qu'il rentre à la place de la faute. C'est le lucky shot, c'est l'entraîneur et s'est fait joueur pour les Sénégalais. Est-ce qu'il y a manque de joueurs? Je ne sais pas. Mais l'entraîneur s'est fait joueur lui-même aujourd'hui. Monsieur Ambroise, une autre question. Donc, c'est bien d'amener les Africains ensemble. Est-ce que vous pensez, puisqu'il y a aussi une très forte communauté des Espagnols d'Amérique du Sud, ils sont très nombreux aussi. Est-ce que vous pensez un jour faire des compétitions où vous allez vous affronter avec eux? Oui, actuellement, ma vision cette fois-ci, c'est de créer dans les 20 équipes sorties 25 meilleurs joueurs. Oui. Sélection de 25. Les 25 nous permettront maintenant de rentrer dans les compétitions dans les autres communautés. C'est ça. Donc ça, c'est notre ambition cette année. On est déjà en train de travailler dessus. Pendant que les matchs se jouent, on sélectionne les meilleurs joueurs. Et au mois de juin, nous avons... Ok, alors c'est vous qui serez des initiateurs ou bien... Exactement, oui. Oui, ça c'était mon idée initiale. Et on est en train de travailler dessus, oui. Ok, alors nous sommes là pour prendre votre voix au niveau d'autres personnes, surtout les Africains, qui puissent d'abord s'organiser autour de ce conseil que vous avez
Et peut-être sur base de ça, nous aurons quelque chose de très grand et que les Africains seront entendus et respectés ici à Bronx, comme vous le faites déjà. Well, ce qui se passe, c'est que quoi? La vision que j'ai dans ce projet, ce n'est pas selon, ça ne s'arrête pas à ce niveau. Mon objectif, c'est de faire que les jeunes enfants de 16 ans qui sont dans ces tournois, qui sont dans les entourages maintenant, nous voulons faire venir les coachs des universités, qu'ils soient en mesure d'avoir les bourses d'études. Oui, parce que vraiment, on ne peut pas arrêter à ce niveau. Oui, on est en train de faire ce qu'on fait, mais les tout jeunes qui sont en train de briller, d'évoluer dans le football là, cette année par exemple, on a contacté quelques universités qui vont envoyer leurs représentants ici pour voir pour ce que sélection. C'est pour la sélection. Okay. Et si possible, s'ils peuvent avoir la bourse pour entrer dans leurs universités, vraiment, il n'y a rien de plus que ça. Aider un enfant partant de cet élément pour faire quelque chose de meilleur. Et ce n'est que nous pouvons faire dans notre communauté. Et bon, quand nous sommes en Amérique, nous avons trois grands sports en Amérique qui sont particulièrement... Le basket. Le basketball. Le baseball. Nous avons le baseball et puis nous avons aussi le football américain. Oui. Est-ce que vous pensez un jour former les Africains qui puissent exceller aussi dans ce... C'est le domaine où il y a des millionnaires qui sont des acteurs. Il y a une chose qui est certaine. D'abord, il faut d'abord se fier de son talent à lui-même, de son talent. Voilà, une chose que nous avons le football dans nos pieds. C'est ça. Nous avons ça dans nos pieds. Bon, faire des aventures dans les autres côtés, ce n'est pas une mauvaise chose, mais seulement, il ne faut pas non plus perdre ce que tu as de nature. C'est ça. Vous voyez? C'est ça. Parce que tu peux avoir les ambitions d'aller essayer ailleurs, mais ce que tu as, ne le faut pas la perdre. Donc, pour le moment, si quelqu'un... Une fois qu'il y a déjà des Africains qui jouent dans le NFC, qui jouent au basket. C'est ça. Donc, c'est une question de temps maintenant. Ouais. On est en train de nous implanter un peu partout. Hein. Mais en faisant ça, nous ne voulons pas perdre notre tradition qui est le football. Parce que les Américains ne perdent pas le baseball ou bien le football ou le basketball. Alors, pourquoi pas nous imposer aussi que les Américains commencent aussi à se jouer au football. Oui, ils sont intéressés aussi maintenant. Ils sont intéressés. Tu vois d'ailleurs comment ils sont là, ils sont en train de regarder. Et même maintenant, dans les universités, il y a beaucoup d'Américains maintenant qui jouent au football. Aujourd'hui, ce matin, c'était le programme des enfants. C'est et ça. Tu as vu combien de petits-enfants américains qui étaient ici. Donc, c'est quelque chose qui est en train de prendre place. Hein. Tout à fait. En tout cas, merci. On continue à regarder. C'est pratiquement la fin de la première mi-temps. Depuis 50 ans, les Africains n'ont jamais fait partie à la célébration de Bronze Week, la semaine culturelle de bronze. Donc maintenant, depuis 5 ans, nous faisons partie de ce programme et on est dans le programme. Et ce tournoi fait partie du programme de Bronze Week. Donc le 18, qui est le jour après notre finale, il y a le grand défilé dans le Bronx, le maire vient, toutes les autorités de la ville y sont. Donc, et nous défilons là-bas comme Africains. Donc Very depuis good. 50 ans, on n'a jamais eu ça. Ça, donc, c'est extraordinaire. Donc, nous faisons déjà notre marque. Tu sais que depuis des années en plus, les Africains ont été représentés. Maintenant, nous ne sommes plus représentés. C'est nous qui nous représentons. Vous représentez vous-même. Oui, les autres nous représentaient. C'est ça. Bon, là, nous avons grandi maintenant. Oui, maintenant, on ne parle plus de nous. Nous parlons de nous-mêmes maintenant. Très bien. Donc, ça, c'est le moment. C'est ce que nous cherchons, puisque l'Afrique aux Africains, donc il y a des gens qui se font spécialistes en Afrique, qui viennent raconter des bobards aux nos Africains. Et voilà maintenant que les enfants africains se mettent debout. Congratulations. Exactement. Non, ce qu'il y a dedans, c'est que quoi? L'histoire... C'est quelque chose, ça dépend de qui a écrit l'histoire. C'est ça. Bon, vous savez que l'Africain ici dehors, on vient, on va à l'école, on va à Monogram, Western Union pour envoyer l'argent au pays. Oui. Donc voilà les trois choses que l'Africain sait faire. L'Africain va à l'école, il va au travail, il va à Western Union, Monogram. Trois places là, aucun Africain ne peut te dire qu'il ne connaît pas ces trois chemins. C'est ça, ça c'est vrai. Même s'il manque l'école, il va à Western Union. Toujours. Même s'il manque le travail, il va à Western Union. C'est parce qu'on a une large famille derrière qu'on doit supporter. Tout à fait. Vous voyez? Oui. Donc, ce qui fait que maintenant, c'est quelque chose que vraiment nous ne pouvons pas éviter de le faire. C'est ça. Donc. Alors, M. Ambroise, comme le match commence, alors on arrête ici la conversation.
Et puis, chemin faisant, je peux encore vous interpeller pour que vous parliez. Alors, dites d'abord un mot aux Africains qui ne sont pas encore venus. Vraiment, je voudrais d'abord remercier parce qu'une chose qui est certaine ici dedans, nous étions en train de discuter la représentation des Africains dans la communauté africaine. Et vous servez vraiment un grand exemple actuel où nous avons toujours dépendu des autres pour parler de nous-mêmes. Là, nous parlons de nous-mêmes et nous ne pouvons dire que de belles choses de nous-mêmes. Parce que quand les autres parlent de nous, ils choisissent ce qu'ils veulent dire. C'est ça. Alors, again, une fois de plus, je te remercie beaucoup de nous avoir donné cette chance de nous exprimer. Et j'espère que vous allez être là à notre finale qui sera notre grand événement de l'année. Tout à fait. Et c'est nous qui démarrons le tournoi de football à New York. Hein. Ouais, ça, c'est notre programme qui commence. Donc. Ok. Merci beaucoup. Nous serons toujours là pour parler aux Africains. Nous vous demanderons de suivre et si possible, la fois prochaine, que les Congolais puissent faire quand même un geste qui puisse être avec les autres Africains, qui puissent combattre, pourquoi pas ne pas faire la compétition avec les autres. Vous savez, avec l'équipe de Léopard, nous avons fait la fierté du Congo ou du Zaïre à l'époque, nous avons fait la fierté de l'Afrique et pourquoi pas du monde, puisque nous avons participé même aux Coupes du Monde. Alors pourquoi aujourd'hui les jeunes Congolais ne veulent pas se manifester? Je sais que en Amérique nous avons besoin d'argent, nous savons qu'en Amérique c'est trop dur, mais de toutes les façons nous devons continuer aussi à prouver que notre pays existe. Là c'est donc Kayembe sur la VDC Panorama d'Afrique qui couvre pour vous cette manifestation. Je vous laisse la latitude de suivre. Merci. C'est un but. Les Nigériens viennent de marquer un but contre les Sénégalais. Les Sénégalais sont en blanc, les Nigériens du Niger sont en orange, ils viennent de marquer un but. Un direct en faveur du Sénégal. Donc, actuellement. Téléspectateurs de la VDC Panorama d'Afrique, nous sommes au stade de bronze, donc un gymnasium où beaucoup de sports se font. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour les Africains. Avec moi, je suis avec les responsables du comité de African Advisory Committee, CANSO. D'abord, je vais commencer en anglais avec le président, Chairperson. Son nom, c'est Charles, parce qu'il parle que l'anglais. Charles, good afternoon. Good afternoon. So today we are here and we are honored by so many Africans. What's the meaning of this event today? The meaning of this event is to bring the African community together, not only in the Bronx, but in New York City and on the tri-state area. As you know, the continent is a very huge continent and too often we are divided. That's right. So we look at this event as a method, as a tool in promoting collaboration and a continuity within a community. The community is a good thing, and today we have seen so many teams. We started some few years ago, 2, 3, 4 teams.
Now you've got about 20. What did you do to bring all these people together? Well, you know, it's one of those things that oftentimes it's about staying the course, meaning that we did not stop the first year when we had about four teams. We continue, we made sure to build the infrastructure around it so that we have a strong legitimacy and a strong structure in place. And once teams saw that, more and more teams wanted to buy into it, to now in which we have over 20 teams and we're looking to grow not only with the males but also with the female teams as well. Oh, that's great. Now, listen, Africa has got 52 countries, and now you have got 20 teams, which is about 20 countries. So the best way to work is to focalize on those who are not here. What do you do to bring them in the system? Right. One of the things we're doing this year that's completely different from the previous year is that we're focusing on the media. Good. We realize that the media is a strong component and it's a strong advocacy of getting people on board. And we're hoping that from that, folks will see it and say, okay, next year I want to participate in this event. In addition to that, we're reaching out to the different groups within the community that's not represented. So next year we're hoping to have countries like Malawi. We're hoping to have countries like Zimbabwe and so forth. Do you have South Africa? Yes, they're playing right now. That's great. Now, can we talk about Egypt, Morocco? Do you have some teams that side? Yes. Yeah. So, meaning you are north and south, but in between you have a problem. Yeah, we have only Cameroon in between. Yes. So, where are the Congolese? Where are the Togolese? We're trying to bring in. We're doing the outreach to bring them in. Tell them. They are listening. Tell them. Okay. This is a... We're looking for teams from all over the continent that are representing the different countries. And if you're interested in playing and if you feel your team can be a contender to win the African Advisory Council Bronx Borough President Cup of Nation, we invite you next year to be a participant. That's wonderful. That's the word from the chair. Now we are going to the vice chair. So for you, we speak in French. Yes. So that we cover all the people. Okay. Pacino, quelle est la signification de cet événement aujourd'hui? Le but principal de l'événement, c'est vraiment réunir tous les Africains. Trouver un moyen, une plateforme pour réunir les Africains de tous les pays qui vivent aux États-Unis, au lieu de rester séparés. Ok. Alors, ce sont des matchs. Combien de pays vous avez jusque-là? On a au total 20 pays. Représentant le nord, le sud, un peu le centre et l'est de l'Afrique. Now, first of all, I went back to Charles. Is your country represented? Yes, Liberia. Liberia is represented. We actually tied with Cote d'Ivoire 1-1. 1-1. So you are not so strong. So let's talk now from Congo. Pacino, is your country here? No, my country unfortunately is not here, and I'm calling. This is a call to my people to be here. You know, I'd be so pleased to have them here. And how in French so they can hear us? But j'invite tous les Congolais. Il y a beaucoup de Congolais dans le Bronx. Il y a beaucoup de Congolais qui vivent à New York. Je vous invite de venir, de participer, former une équipe, représenter la République démocratique du Congo. Il faut qu'on soit là. Il faut qu'on soit présent. Okay. Alors, I don't want to take too much of your time. So I want each of you to talk to those people listening to you right now for today, tomorrow, and for next year. Charles. For those that's listening, whether you're in the Bronx or New York City or on the continent or in the diaspora, we invite you to the African Advisory Council Bronx Borough President Cup of Nation. We are inviting all countries to participate in this. This tournament is not for us. This tournament is for you. Pacino in French. J'invite tous les Africains qui peuvent représenter l'Afrique. On a besoin de vous, on a besoin d'un nombre et de montrer au Bronx Borough President qu'il y a en fait tout le continent africain vit sur New York. Le tournoi représente non seulement les hommes, mais on a eu le premier match qui était le match des femmes, qui était l'inauguration. Donc j'invite tous les Africains à être là.
Okay, again, before I let you go, something comes across my mind. Mm-hmm. Years back, someone was saying Africa was represented by people who thought they know Africa. Mm-hmm. Now, Africa in council is represented by African. Mm-hmm. How do you feel, Charles? It's a great experience seeing that the council is well represented by Africans from all different likes, all different parts, but we're still growing. There are still countries that are not represented on the council. As you can see, we don't have all 52 countries here, same way we don't have all 52 countries on the council. So if you are part of an association that represent your country in New York, we invite you to our monthly meetings, and we invite you to elect one person to come on board onto the council to represent your country. When do you meet? We meet at Bronx Borough President office the first Thursday of every month. Great. Okay, so en un seul mot, l'African Advisory Council représente la communauté africaine dans le Bronx, mais plus généralement la communauté africaine à New York. Donc, on a quelques pays. On a certains pays d'Afrique, de l'Afrique de l'Ouest, un ou deux pays de l'Afrique centrale, mais il y a plusieurs pays qui ne sont pas représentés. On voudrait pouvoir contacter toutes les associations africaines qui sont dans le Bronx ou à New York, qui représentent leur pays, et déléguer un des membres de leur association de nous joindre. On a nos réunions mensuelles chaque jeudi au bureau du Bronx Borough Office, à la 161, le courthouse. Ok. Do you think you move from the Bronx to the state someday? It's inevitable. It's inevitable. Currently, we work with elected officials not only in the Bronx, but within the state, and in the country also. So it's one of those things that's growing beyond just the Bronx, and it's as the organization matures, we will expand, and it's all about the community. It's all about the community engagement and making sure that we facilitate discussions and we bring resources to the African community. Whether you're in the African business community, or you're in the education, or you're in corporate, we want to be able to bring you resources that can help the African community grow in the Bronx and in the U.S. Wonderful. So, for you, Mina, est-ce que vous pensez, vous avez commencé au niveau de Borough, donc à Bronx, est-ce que vous croyez que ce comité pourrait être représenté un jour au niveau de l'État, des States? Je pense que oui, de plus en plus. Quand je vois que le Bronx Borough Office nous demande notre avis, de formuler une opinion sur la réforme d'immigration, je pense qu'on commence à prendre de l'ampleur et commence à nous prendre au sérieux. Donc un jour, le plus on a de membres représentant différents pays, c'est pour ça qu'on voudrait avoir les gens représentant leur pays, leurs associations, c'est quelque chose qui va grandir, c'est un conseil qui va grandir et qui aura de plus en plus une voix politique. Vraiment. Ok, so thank you so much and I wish you all the best. Thank you. Ok. So, chers téléspectateurs, voyez, nous avons le comité, donc nous faisons appel à tous les pays africains de nous rejoindre, de tous les pays africains de représenter l'Afrique. You African people, people are talking about Africa on behalf of Africans. Where are you? You came here, some of you went to school, some of you went to college and universities. You are doing fine. So your job is not going to work, make money, go to Western Union. You are here to stand and stand for your rights. Here is La VDC Panorama d'Afrique. Thank you so much, Don Kayembe. Thank you, Don. Okay. Talking to organizers, now I've got another organizer. Richard Iyasere, a.k.a. Daddy Rich. Okay, so Richard Rich, so he has too much money, and he spoke last time, you heard him. Now I want to talk to him about today's event. Rich, what's the meaning of this event today? Yeah, this event, definitely you heard from my colleague, how the whole thing came about. But the ultimate goal here is uniting Africa. The whole purpose of the soccer game is
When we started, we were thinking, what would bring Africa together? What would it be? You know, everybody is on the table, scratching their head and everything. Somebody came up with a soccer, African soccer game. Because it's part of it's in our DNA. It's in our system. Someone said on your feet, but you said DNA. It's in our DNA. Wonderful. Yes. So that's how the whole thing came about. The first year was big tumultum, and we all running, falling. And second year gradually is coming, and this is really big. It's becoming big. The whole media, Daily News, New York One, the New York Times, everyone is here. And everyone wants to hear and see what Africans are doing for Africa. Exactly. Wonderful. And that's a beautiful thing. Okay, so the interview, yeah. So what you can say, they are North and South playing now. Right. So what about this, the middle? The middle because one. I'm told... It's about 20 countries participating out in this of tournament. 52 Yeah, it's about 20. So that's not good score. I think we are getting there. Somewhere. last year was 16. This year we got 20. No, the first year I heard was 4. Yeah, first year was 4. And then, I think the other one was like 10, 16. And 16 now then we have 20. 20. So by next year, we'll be hitting your score. Okay, what you consider to be a good number? Yeah. This so far is good in terms of progression. Yes. So you are climbing. You see, exactly. Each country coming with its own fans, and we're seeing people coming. Not only Africa. We see now even people from South America now getting interested. So yes. Are you planning to bring them the board someday? Yeah, as you already aware that South America and other people from the Caribbean, they also love soccer. And they are Africans. Both of us recognize that. Yeah. And once it's come to this soccer, like soccer not only unite Africa, it's unite the whole world. And they are interested. To accommodate them, we don't know that yet. No, yet. That is going to be like a real, real big pandemic for us to swallow. Right. So, but what we have a power to control, but even this one is like blowing off our hand already. Yeah. So you see how people talking about this schedule, and you know, it's too much. Yeah. So, but we don't know about tomorrow. But for now, we want to concentrate on Africa, and that's what the whole purpose is about. Because this is definitely on that Bromsborough president. Bromsborough president set up this African Advisory Council that is organizing this tournament. So now. These people playing from different countries of Africa, right. You mean they are all Bronx residents or they're coming from all over New York? When we started it, our goal or our vision was like, you know, the Bronx. Mm-hmm. But we later realized it's not going to work the way it's everybody coming. And then you can't choose. Yes, it's hard. If you can remember a scene. Two different teams came to represent Nigeria. The other team came from New Jersey. We had to choose the one from New York here because this is about the Bronx and this team is here. Why we want to go all the way to New Jersey? So we are getting a phone call every day. A lot of challenges, new stuff is coming that we never even budgeted for. We don't even know about. So as it comes, we take it and we try to solve it. So one more thing. Yeah. I heard there's another team which is not really from Africa. It's about Africa, which is Cape Verde. Cape Verde, yeah. So you associate them? Yeah. So we accommodated them. I'm not that good with African geography. Yes. I'm not the best about that. Yes. But this is how I feel for now. Yes. If somebody come out and identify himself and I'm as one I, of you, yes. You can never there's turn no those right people to turn push them away. You cannot do. So okay. for now, Africa have a lot of room to accommodate. Yes. So for now we accommodate on that ground. I don't know the real geography. Whether, you know, inside Africa, whatever, that is a political talk. But for now, everyone embrace everybody. Okay, so now, Rich, the biggest problem I want you to talk is not about the success. Okay. 20 countries, fine, congratulations. Right. 32 not represented so far. Yeah. What do you tell them? Yes, if any of those left out 32, if you have any soccer team, anything that is ongoing, or you think you can put a team together, please give us a call.
and let us know about that we are appealing to people from that region or those ones that are not represented to come forward. We are out there advocating. We are out there trying to invite these people in, and so that, you know, if we can at least half of the whole thing, I'll be happy like that. That's so right. For now, Martin is not like for any reason, other reason that they are not here. I think most of them are not aware of it. That's right. And some of them who are aware do not have the resources to put a team together. It could be any of those a problem, but once anybody can identify himself that I'm going to represent this country, we will do everything we can to help and, you know, lift them up and come on board. Great. Yeah. Okay, yeah. So I don't want to misuse your time, and I think what you have said is most important. And before you go, one word to those people listening to you. Thank you very much for taking your time to view this and watch us. But most especially, I want to thank you and your team, entire team, for coming and transmitting this to people like you so you can enjoy it and you can know what is going on here. Thank you very much for coming back. My pleasure. And you're doing a good work for the community too. Okay, thank you, Rich. I'm sure this will be on Channel 69. Okay. And people will listen to it and they'll must react as they did last time. Yeah. So keep doing a good job. Yeah. And congratulations to you too. Thank you very much. Okay. Merci. All right. Okay, chers téléspectateurs, c'est pratiquement la fin de cette émission d'aujourd'hui présentée par Don Kayembe. Je suis venu dans les gymnasiums, donc dans un stade très important de New York qui a coûté des millions de dollars que le maire Bloomberg a voulu mettre ensemble pour la préparation de Jeux Olympiques. Mais les New Yorkais ont dit nous préférons des hôpitaux à la place des stadiums. Mais aujourd'hui, nous voyons tout le monde, puisque ici, ça fonctionne jusqu'au moins à minuit. Donc, vous allez voir, même jusqu'à 22h, c'est très clair. Il s'est imposé pour donner un bijou aux New-Yorkais. C'est juste à côté de Yankee Stadium et c'est magnifique, c'est extraordinaire. Merci de nous suivre et nous sommes toujours au rendez-vous avec vous, Don Kayembe, depuis New York City, sur la VDC Panorama d'Afrique. Merci. Au revoir.